Merci pour ce titre de live. Eh ben avec grand plaisir, allez, marqueur de VOD. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un stream sur Luigi's Mansion 2, HD version, donc Luigi's Mansion 2 qui est sorti en quoi on a dit tout à l'heure en 2000 et quelques, voilà. Parce que le premier Luigi's Mansion c'était 2001, mais le 2 est sorti pas mal de temps plus tard. J'y ai jamais joué. Moi, j'avais joué un peu au 1 à son époque de sortie. Le 2, j'ai jamais joué. Le 3, on l'avait commencé avec Mila de Blois. C'était en janvier, là. Donc, c'était il y a presque 6 mois. Au secours. Merci beaucoup à la boîte com qui travaille avec Nintendo. Ce sont eux qui m'ont envoyé donc, le jeu. Ce n'est pas une opération rémunérée. Je ne suis pas en collaboration commerciale. 2013. Ok, ça marche. Abonne-toi à YouTube. Bien sûr, abonne-toi à YouTube. Et si tu regardes ça sur YouTube, laisse un commentaire. Mais s'il te plaît, pas d'insultes. Eh, franchement, les insultes sur YouTube. Saut 2012. Faut grandir un peu. Hein. Ok. Regardez, il est là. Il est téléchargé. C'est parti. Ma manette, elle est où? Elle est là. Quitter mon keyball. Et c'est parti. C'est mon jeu préféré. Ah ouais? Ah oui, attends, faut, comme c'est un jeu Switch, il faut baisser la luminosité de mon écran. Qu'est-ce qu'ils sont lumineux, les jeux Switch, c'est un truc de ouf. Ouais. Faudrait que je vois dans la console s'il n'y a pas moyen de baisser. So old school, quoi. Les meufs, c'est toutes des putes sur YouTube? Eh mec, tu vis trop en 2022. Eh, c'est 2024 maintenant, hein. Ok, alors ça, commencer, bah écoutez, ouais, ça se partit, hein. Est-ce qu'on a une cinématique? Ah merde, y a pas la capture. Fuck. Ah c'est bon. Ah oui, alors, avant que ça commence, petit trigger warning, arachnophobie. C'est un jeu qui... je sais que tous les épisodes ont beaucoup d'araignées. Et même si c'est une représentation très cartoon, je sais que certains d'entre vous, ça peut les déranger. Donc attention, si vous n'aimez pas les araignées, il y en a, même si elles sont presque mignonnes finalement. Bon, ça reste un jeu Nintendo, hein. Ça reste un jeu Mario, bon, c'est pas non plus. Hein. Mais pour ceux qui sont très très arachnophobes, ça peut être un trigger. Attention. Ah non, le professeur, il est pris dans la télé. J'ai besoin de toi, mon garçon, c'est important. Les fantômes sont devenus agressifs. Oh, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Oh oh. Bon, oublions ça. Bon, je prépare le télépixelisateur. Non. Attention au départ. Non. Ouais, c'est parti. Waouh. Ha ha ha!
Donc c'est quoi, je suis dans la télé? Oh, oh là là, ce setup de stream là avec tous les écrans. J'adore, j'adore. Sûr que notre chemin allait finir par se croiser à nouveau. Ah si, dans, dans Dark Souls 2, dégueulasse. J'ai vu l'autre jour, c'était qui? Bah, c'était Léa Prima, là, qui était en train de jouer à Dark Souls 2. Et moi, je sais que des araignées dans un jeu vidéo, ça me dérange pas forcément. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a plein d'insectes, quels qu'ils soient, qui grouillent. J'aime pas quand il y en a vraiment plein, tu vois. Typiquement, dans Luigi's Mansion 3, il y a quelques araignées, ça va. Mais il y a une salle en particulier dans laquelle il y a une espèce de grenier où là, vraiment, ça grouille. Et je sais que j'étais pas, je suis pas à l'aise, quoi, tu vois. Review setup. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme review setup? Il y a trop d'écrans, il y en a partout, quoi. Alors, merci Dilo pour le Prime. Merci à toi pour le soutien. Dis donc, mon garçon, tu fais une drôle de tête. Serais-tu inquiet? Sache que tu es en sécurité ici. Rien ne peut nous arriver dans la salle de contrôle. Rien ne peut nous arriver d'affreux maintenant. Je suis ravi de te revoir, mon garçon. Qu'est-ce que tu deviens? C'est la version DS, ils en font un... C'est pas un remake, c'est un HD remaster, quoi. C'est juste plus joli, mais c'est le même jeu. Dans Bloodborne, il y a ça, c'est un de mes pires cauchemars ever. Ah ouais? Peut-être pas plus mal que j'ai pas joué à Bloodborne. On n'a pas le temps pour ces futilités, l'heure est grave. Regarde l'écran, ce que tu vois, c'est la lune noire. On ne sait pas grand-chose à son sujet, il semble qu'elle ait un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Décide de venir pour étudier ce phénomène si fascinant. C'est réellement passionnant, j'ai fait tout un tas de découvertes fantastiquement faramineuses. Jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifisme n'était plus à la mode. C'était effarant, tout se passait bien et soudain, paf! Ils sont devenus très agressifs. J'ai même été forcé de m'enfuir au manoir du désespoir. Au manoir du désespoir, ça sonne pas très bien. Hein. Une fois à l'abri, je me suis mis au travail. Il fallait que je découvre ce qui avait provoqué ce changement brutal chez les fantômes. Pas fini longtemps, ok. La lune noire avait tout simplement disparu. Comment? Mais qui a volé la lune noire? Ce scénario est vraiment exceptionnel. La disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Les fantômes risquent donc de quitter la vallée des ombres. Qui sait ce qui pourrait se passer s'ils envahissent le reste du monde? Et plus grave encore, comment vais-je continuer mes recherches si le sujet disparaît? Mais qu'est-ce que c'est? Un fragment de la lune noire. Tant que c'est pas les chroniques de la lune noire, ça va, hein. Comme si ça suffisait pas, ce fragment semble avoir été comme contaminé par une étrange énergie. Une énergie manifestement négative, que j'ai décidé d'appeler néfaste rose. Sans neutraliser l'aura positive de la lune noire qui rend les fantômes amicaux. Développer une invention qui devrait s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux, ok? J'ai inventé une platine vinyle! On va pouvoir s'écouter un bon son. Tiens, c'est le dernier Kendrick Lamar. Oui. Yo ho ho. Regarde Luigi, ça a marché, le fragment retrouvé de son ombre. Ah ouais, d'accord. T'as entendu ce drôle de bruit dehors? Laisse-moi consulter mes instruments. Nom d'un globule, le brouillard qui entourait la salle de contrôle a disparu. Jetons un œil à la carte de la vallée des ombres. Enfin, je rêve tellement d'avoir plein d'écrans comme ça dans mon bureau. Je pense que je vais faire un bureau comme ça, avec plein d'écrans partout. Ectoblast 5000. Alors, pour redonner son intégrité à la lune noire, nous aurons besoin de ma dernière invention.
Il se trouve que je l'ai laissé dans le manoir du désespoir. Tu dois me le rapporter. Ok. N'aie pas peur mon garçon, nous avons affaire avec une poignée de fantômes inoffensifs. Et pourquoi ils prennent le mec le plus froussard pour faire un truc super flippant? Ça serait un peu comme envoyer Sammy et Scooby-Doo d'un côté de la maison. Alors que les autres, ils vont dans l'autre. Oh, nous allons nous séparer en deux dans cette maison incroyablement flippante. Sammy et Scooby-Doo, faites le premier groupe. Et toutes les personnes courageuses vont dans l'autre groupe. Oh, Sammy, j'ai une faim de loup. Séparons-nous et cherchons les indices. Ah, tiens, voici un sandwich. Tu as déjà vu cet objet? Mais oui, c'est une Nintendo DS. Est-ce que je peux vous montrer la mienne? Non, je l'ai pas sous la main. C'est DS mis au point par un génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir du désespoir. Trop bien. Mais alors, à la base, c'est un jeu 3DS celui-là. Non, mais le pire, c'est que j'ai un doute. Je me demande si je l'ai pas en fait. Je suis en train de regarder ma collection là en ce moment. Ah non, j'ai le 1 moi. J'ai le 1 sur 3DS. En vrai, faudrait que je le refasse. Un jour où j'aurai du temps libre. D'ici 2047. En plus, c'est vraiment la première Nintendo DS. Hein. C'était sur 3DS et en bas, il y avait la carte du niveau. Ah ouais, ok. Yabo yabo. Yabo yabo. Bon allez, vas-y, j'ai pas lu, hein. Moi, je veux jouer. Hein. J'ai pas vu. Let me play, let me cook. Un des rares jeux sur 3DS à exploiter la 3D au maximum. Ah ouais? Bonk. Oh la petite ambiance. Oh boy. Bon, on est sur du 30 FPS, hein, normal. Est-ce que je changerai pas la luminosité derrière moi? Est-ce que je mettrai pas... Peut-être ça. Ça, peut-être. Peut-être en rouge comme ça, là, c'est pas mal. Petite ambiance. Je suis arachnophobe, mais je ne leur veux pas du mal. Ça me fait de la peine quand j'en tue une dans mon appart, parce que j'ai le courage de la capturer pour la foutre dehors. Ah ouais? Ah non, non, moi je les écrase. Certaines même, je les brûle. En fait, ce que je fais, c'est que je vaporise du parfum dessus. Et le parfum le plus cher que j'ai dans ma collection. Et après, je fais une traînée d'alcool. Et en fait, j'allume la traînée d'alcool de façon à les voir brûler. Ouais, je suis pas très fan. Hein? Oh. Yellow. Yellow. Mm-hmm. Tu m'entends, mon garçon? J'ai peur que la batterie de la DS soit à plat. T'inquiète pas, j'ai baissé la luminosité des écrans. Ça devrait être tranquille pour un moment. Ciao. Si t'avais pas dit le parfum le plus cher, je me serais demandé si t'étais sérieuse ou pas. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. C'est une blague en fait. Elle me regarde les fleurs là. Je les attache à des parpaings et je les jette dans la rivière. Ah ouais? C'est des démarches quand même ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc là. Est-ce que le son ça va ou est-ce que vous voulez que je mette plus fort? Ah ok, il y a le bouton qui est là.
Ok. Le son est bien. Ok. Merci pour le titre de stream qui m'a fait bien rire. Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis contente de réussir encore de temps en temps à vous faire rire. Oh ! Ce fantôme qui est en train de s'amuser avec la voiture ! Ah, il y a des pièces là-haut. Je les capture et je leur arrache les pattes, puis les enferme dans du verre en les regardant mourir. Ah, parce que sans les pattes, elles meurent, c'est ça ? Ok, ok. Il y a un truc par terre, là. Hello. Come back here. C'est bon. Ok. Et donc là, on peut passer. Je vais avoir beaucoup de mal avec le bouton X pour ouvrir les portes. Pour le bouton d'action, pardon. Hello? Oh, ça y est, on y est, quoi. Il y a des trucs dans les vases. Ah oui, donc là, on voit plein de coins. Ah, l'aspirateur. J'adore cette habile utilisation du hautbois dans l'OST, qui est vraiment l'instrument officiel de la peur. Fouillez le garage. Tu l'as trouvé, beau travail, Woody. J'ai l'honneur de te présenter à l'Ectoblast 5000. Ah, c'est le nom de l'aspirateur, d'accord. Avec ZR, ok. Ciao. Ah oui, alors, par contre, quand on appuie sur ZR, ça lock le personnage. Ah non, attends. Ah oui, non, d'accord, comme ça. Ok. Oh, les petites animations, là. C'est délicieux, miam miam, crunch crunch. C'est vraiment réussi. Hein. T'imagines, OP Dyson. OP Dyson, pendant une heure tu présentes le produit, tu fais des tests du produit, et pendant une heure tu joues à Luigi's Mansion. Trop drôle, trop drôle. Public réceptif, très ciblé. Nickel. Je comprends même pas pourquoi ils font pas ce genre de truc. Hello. Mm-hmm. Extraordinaire, n'est-ce pas? Les fantômes ne pourront pas te résister. Ciao. Oh là là, trop marrant. Trop marrant cette... J'aime bien le fait qu'il y ait plein d'éléments qui bougent à l'écran. La magie est là, hein. La magie Nintendo est là. À la porte, là.
On va retourner dehors, il y avait des trucs. Là, il y a un truc là-dessous. Voilà, par contre, le contrôle... Ah, il y a une clé, il y a une clé. Le contrôle est un peu compliqué avec le stick. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. À quoi ça sert d'avoir autant de... Ça donne trop envie de passer aspirateur. À quoi ça sert d'avoir autant de pièces ? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ah oui, d'accord, et là faut faire... Ah ah ! Grâce à la force centrifuge. Ah ça y est, les araignées sont là. Bon, sauf que j'ai pas réussi. Je vais juste regarder dans les options. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la commande ? Luminosité en mode téléviseur. Capteur de mouvement. Incline la manette, influe ou non sur la visée, non. Qu'est-ce que ça change, ça ? Ah bah oui, ça c'est plus logique ça. Ah oui mais attends. Alors attends, ça c'est bien au niveau horizontal. Mais là si on veut aspirer vers le haut, faut faire quoi? Ah oui, en appuyant là-dessus. Ah oui, le problème c'est que... Ah, il faut faire une claw. On est de retour sur les claw. Ok. Je pense que je vais me mettre comme ça. Ok, alors attends. Moi, je voulais aller là. Et repartir. Parce que dehors, il y avait des trucs. Doum, doum. Ça. Je me souviens qu'il y avait des trucs ici. Et peut-être là-dedans aussi, non ? Ah non. Ah peut-être ça. Ah ah ! Somme lingot d'or. Je trouve ça étrange qu'il n'y ait rien à faire avec ces fleurs là. Putain, dans les plantes, il y en a aussi. Putain, mais récupérer toutes les pièces dans ce jeu, c'est un délire. Hein. Une liasse de billets dans l'arbre. Quel arbre ? Ah ouais, si. Ah, mais je vois pas trop comment... Comment le récupérer ? Ah, comme ça ! Ah ! Nice ! T'imagines s'il y a autant de trucs à récupérer partout ? Bien vu, Christelle, GG.
T'imagines, on a fait que 3 salles. Il y a déjà tellement de trucs cachés partout. Ah non, le billet là. Comment je le récupère celui-là? Ah, rip. Bizarre. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. Elle est très très bien. Ça me rappelle les vieux cartoons Disney. Même à l'époque, tu as tellement à découvrir. Je me souviens avoir passé 50 minutes sur un... Ah ouais. Ok. Ouais, du coup, là, on peut pas passer. D'accord. Ouais. Goofy Luigi. Oh non, des fantômes! Ils ont peur! Ok. Oh là là! OMG? Ok, petite ambiance. Ouais. Ah. Je suis très content de découvrir un grand classique Nintendo que j'avais jamais testé. Ah, le lobby. Ah, c'est des ampoules! Ils ont shippé des ampoules, bande de shippers! Arrêtez de shipper, quoi! Alors attends, vas-y, si je regarde là. Déjà, on va un peu tout aspirer. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? On peut pas aspirer vers le sol, par contre. C'est une ampoule Philips Hue. Ah là là. J'aimerais tellement être sponsorisé par Philips Hue. J'ai vu qu'ils ont fait plein d'OP là ces derniers mois. Mais pas avec moi, visiblement. Ils savent déjà que je suis consommatrice. Oh. Quelque chose de très spécial. Ah, et est-ce que les os c'est pour le Dogo ou est-ce que c'était que dans le 3? Je m'aurais envie de jouer à cette licence quand j'étais petite, j'avais peur rien qu'en regardant les bandes annonces. Oh, c'est cute! Ah, je peux comprendre que quand t'es jeune. Moi, je vous dis, ça me rappelle beaucoup l'esthétique de certains vieux cartoons. Enfin, les courts-métrages Disney des années. Enfin, à l'époque où c'était encore en noir et blanc. Ou en tout cas, début de la couleur. Années 60 peut-être, je sais pas. Et je me souviens que, ouais, petite, il y avait certains cartoons qui me terrifiaient. Hein. Je vous les montrerai pas parce que, bon, Disney. Qui dit Disney dit potentiellement copyright de bâtard. Mais je suis sûr que si tu tapes Disney Short Ghost, je suis sûr que tu tombes dessus. Lonesome Ghost. Publié par le compte officiel de Mickey Mouse. En quelle année c'est sorti ça? Ah ouais, putain. Ah, il est incroyable ce dessin animé là. Ça, je l'ai en VHS enregistré à l'époque dans les années 80 sur l'émission Disney Channel avant que ça devienne une chaîne de télé. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous montre pas. Parce que, comme c'est du Mickey et du Disney, bon, j'ai un peu peur des copyrights. Mais par exemple, ce dessin animé-là, moi je l'ai vu, je devais avoir 5 ans. Ça m'a terrifié. Et pourtant, c'était tellement bien pensé, c'est tellement drôle. Et c'est complètement l'humour Luigi's Mansion. C'est totalement ça.
Mm-hmm. Je me demande de quand il date ce dessin animé-là. Lonesome Ghost, attends, je check. Lonesome Ghost, Disney. On est sur un petit 1937. Vous vous rendez compte ? Le lien que je vous ai partagé dans le chat, là, ce dessin animé-là, il date de 1937. Et il avait été diffusé en France dans les années 80. Je l'avais enregistré à la télé sur cassette vidéo. Et il est incroyablement bien animé. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. 1937, putain, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que le temps passe. Ah ouais, la façon qu'ils avaient d'animer les bras, les mouvements et tout, je trouvais ça trop bien, quoi. Les DVD de Disney Treasure. Ah, et c'est que les courts-métrages comme ça. Il y a bien 25 ans. Ah ouais. Je savais même pas qu'il les avait sortis en DVD. Ciao. Trouvez le Spectre Flash. Qui après me permettra d'utiliser ça. Ok. Ah oui, d'accord, là il y a un piranha. Ah, il y a une étoile dorée là. Ok. Ah! Ça descend. Ok. Une fois que c'est descendu. Ampoule verte. Yeah. Oh. Ah, pour faire le flash. Mmh. Oh. Oh, yeah. Ah, si seulement ça marchait aussi bien le bricolage. Spectroflash trouvé. Ok. Ah oui, ok, tu maintiens A et tu relâches, ok. Il est en train de chanter. Le bro, il est en train de chanter. Oh. Yellow. Yellow. Ciao. Ça parle beaucoup, hein. Comme tous les jeux Disney. Comme tous les jeux Nintendo, pardon. Ça, c'est fermé. Là, on peut passer. Oh, des chiottes! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Récupérer déjà des pièces. Ok, c'est le jackpot. La dopamine est au rendez-vous. Un peu appartement parisien, ces toilettes. Oh, vu la taille qu'il y a, je pense pas. Qu'est-ce... Il y a un truc qui parle à droite, là.
On peut pas y aller, on peut pas sauter en fait dans ce jeu. Ah. Ok. Petit billet. Dollar bill. Il est parti où le cœur ? Attends, ça doit être le cordon qui est là en fait. Ah, faut tirer la chasse ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, on voit bien qu'il y a un bout de décor en bas à droite, là. C'est étonnant qu'on puisse pas y aller. Ah, mais on peut ouvrir ! Ok. Ah ! Ok, il fallait juste ouvrir les chiottes. C'était la dernière action que j'avais pas faite. Alors attends. Oh no! Oh! Oh, le passage secret! Putain, mais c'est ça qui est ouf dans ce jeu. Dans le 3, c'était ça aussi. Il y a tellement de trucs cachés partout, partout, partout. Faut bien regarder le plan. Là, on peut pas aller dedans. Hein. Chaque pièce dans laquelle on rentre. Faut bien observer à l'étage. Au PSP Dyson, ah, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien avoir de l'argent moi aussi. Hein. Et en plus, à ce qui paraît, Dyson, c'est pas si ouf que ça. Je sais plus qui me disait ça. Apparemment, c'est très efficace. Mais c'est tellement trop efficace qu'apparemment, niveau durée de vie, c'est. C'est pas incroyable quoi. C'est-à-dire qu'avec une batterie pleine, en gros, si t'as une grande maison, c'est impossible de tout aspirer, quoi. Aspi Philippe, c'est bien. Moi, j'ai quoi ? Moi, j'ai un... Ah non, j'ai Rowenta, moi. J'avais pris ça parce que j'avais des ventilateurs Rowenta qui étaient très bien. Et oh, c'est pas... bon, après, moi, j'ai un petit appart, quoi, donc ça me suffit, mais... Rowenta, c'est pas mal. Ils font les meilleurs ventilateurs. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir la climatisation chez vous, les ventilateurs Rowenta, qu'est-ce que ça marche bien, c'est un truc de ouf. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de plus ici. Connard! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut le flasher. Yellow. Avec l'option... Ah oui, l'option silence. Trop bien. Mm-hmm. Meilleur ventilo. Avant que j'ai la clim dans mon bureau ici, j'avais deux gros ventilateurs Rowenta. Mm-hmm.
plus un courant d'air que je faisais dans mon appartement. C'était le seul moyen de streamer sans qu'il fasse 34. Ciao. Nice. Et après, je fais ça. Ah oui, c'est ça. Je bloque. C'est ça, il faut d'abord le... l'aveugler avec le flash. Ah, et ça, après ça allume la lumière, d'accord. Sur l'épisode de Luigi's Mansion que j'ai esquivé, le format par mission niveau me rebutait. Ah, bah je sais pas, moi je viens de commencer le jeu, donc je peux pas trop te dire, je me suis pas encore rendu compte de ce système. Oh, les animations sont top. Quel plaisir. L'univers sonore et tout, enfin, c'est trop bien quoi. Oh. Yellow. Yellow. Mission terminée. Ah, c'est ça le truc dont tu parlais, d'accord. Butin, d'accord. Et comment on sait si on a trouvé toutes les pièces? J'aime. Ok. Ouais, je sais pas, le fait que ça soit découpé en mission, ça me gêne pas trop. Ah oui, niveau immersion, tu veux dire? Ça te sort un peu du bordel, quoi. Ouais, ok, ouais, je vois. Dans le 3, tu te balades dans le manoir avec l'ascenseur. Ouais, 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 ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être parce que comme c'est un épisode sur DS, c'était peut-être plus facile pour eux de développer le jeu comme ça, non? Le 3, chaque étage égale niveau. Ouais, mais c'est vrai que tu peux te balader de l'un à l'autre, quoi. Putain, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais le premier Luigi's Mansion sur 3DS. Je l'avais trouvé dans une braderie. Faudrait trop que je le teste. Je le reteste, du coup. Masse spectrale. Amélioration suivante, ok. Merci Ludwig64 pour le 8e mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause là, comme on a fini la première mission. Comme ça, ça fait 2 heures de stream, c'est pas mal. Manoir du désespoir. Ok. Deuxième niveau. J'ai pas eu le temps de le lire. Ouais, je pense que c'est clairement les limitations techniques de la DS qui font qu'ils ont fait ce découpage en mission. Quel plaisir de passer de Elden Ring à Luigi's Mansion. Activer un mécanisme bien spécifique. Ce mécanisme se trouve dans le grand hall. Je te contacterai dès que tu seras sur place. Les transits sont bien, les animations sont magnifiques. Hein. C'est un des grands points forts de ce jeu, je trouve. Le true hardcore gaming, exactement. Au moins ça. Ok, bon, je mets en pause. Je vais juste faire une petite pause moi-même. Et puis voilà quoi. Hop, comme ça après.
on reprend et on se fait un bon segment de 2 heures. Bon, en tout cas, c'est très bien. Un très très bon premier contact dans le jeu. Très hâte de voir où ça va nous mener. Allez, à tout de suite, je reviens. We'll be right back.
Yosh. Tout de suite, Luigi qui aspire des fantômes. Allez, re-bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes sur Luigi's Mansion 2 HD sur Twitch. Et on a juste fait la première, on a fait le tuto slash première mission. Et l'ambiance est vraiment très cool, en tout cas pour l'instant. Donc voyons où ça va nous mener. Merci Cyberstom au passage pour le follow. Ainsi que Batnitz, Sanakr, Wodka et Petga. Merci beaucoup. Salut Diego. Bah ça va. Voilà, donc début de la deuxième mission, on doit activer un mécanisme. On a débloqué donc le flash comme ça. Et puis bah voilà, on va essayer de voir. Alors attends, toujours commencer par regarder en l'air. Ensuite, aspirer 2-3 trucs. Voir s'il n'y a rien là-dedans. Ah non, mais d'accord, en fait, c'est l'entrée principale. Attends, je vais retourner là parce que je me souviens qu'il y avait un flash à faire. Si je me trompe pas. Schlack. Salut Maninda. Ok, on arrive dans le jardin. Oh, l'ambiance elle est tellement cool. Qu'est-ce que c'est? Oh, attends, un joyau. Nice. Il y en a un autre dans l'aquarium. C'est l'étoile. L'étoile centrale est dans l'aquarium. Collectionner des gemmes si uniques et précieuses. Passant qui est pourvu un plaisir sans égal. Merci Yoitsuyu pour le sub. Merci beaucoup. Ah non, tu as transformé ton prêt et mon terme. Ok, merci beaucoup. Ciao. Ok. Et là, il n'y a rien. Ah si, attends. Ça s'ouvre. Ok. Ah, il y a une musique dans le fond. Ouais, désolé, j'ai pas coupé au Spotify. Bien vu. Je n'entendais pas parce que j'avais un retour assez fort. Ouais, l'ambiance et les animations, pour moi, c'est vraiment les deux points forts de ce jeu. Ok, donc là maintenant, on retourne dans le hall principal. Il faut qu'on trouve un mécanisme. Fuyons! Ah oui, ok. Ah non! Les fantômes rouges, ça doit être les gentils, je pense. En plus, ils montrent leurs dents. Ça doit être leur façon de sourire, je pense. C'est ça les codes, hein, je crois, dans les dessins animés. Ok. Ah oui, d'accord. Ils ont ouvert la porte qui est là. Oh, mais arrêtez de... Hein. Bah, merci à toi, Sekizai. Bon courage pour le télétravail. Bon courage à toutes les personnes qui sont en télétravail, d'ailleurs. Sachez-le, vous faites du super boulot, ok? Et ne laissez pas votre boss de merde dire le contraire. Voilà. Le jeu est très beau, ouais. Ouais, il y a deux, trois petits jumpscares. Oh, rien de terrible. Hein. Retrouver les quatre rouages volés. Oh merde!
Oh nose. Attends, il s'est barré. Comment on peut faire? Attends. Là, on peut pas passer. Aïe, aïe, aïe. Je viens de me détendre. Le bac, c'est fini. Place aux vacances. Ah, t'as passé ton bac? Quel type de bac? Il y a une souris. Qu'est-ce que c'est que ces souris, là? Ah, il faut flasher les souris pour avoir des... On va avoir des coins. Hein. Mais attends, ça veut dire que je peux peut-être... Ah oui, voilà. Mais ça sert à rien. Littéralement à rien. Un bac à fleurs... Putain, mais c'est nul à chier. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était que cette blague? C'est ça le vrai jumpscare. C'est les blagues du chat. Un bac à quoi? Un bac quoi? Un bac à fleurs. Putain, mais c'est un niveau d'humour qui dépasse l'entendement. Un bac à fleurs, putain. Ok, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, zou. Bac général, ok. Bah, cool. J'espère que ça s'est bien passé. La blague jumpscare, je m'y attendais tellement pas. Ok. Alors. On retourne dans le hall. C'était le 8 juillet. Tu vises une mention pour faire une école ou un truc comme ça, ou juste la voir, ça sera déjà pas mal. N'empêche, vous devez pas être beaucoup dans le chat. C'est tellement un chat de télétravailleurs et de chômeurs. Vous devez pas être beaucoup à avoir passé votre bac, je pense. Qu'est-ce que... La clé. Ah non, c'est bon. Il y a un truc là derrière. Direct, je l'ai vu. Juste la voir, ouais. Fac d'histoire derrière. Ok, nice. Ça, c'est vraie question. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont passé le bac? Enfin, qui passent le bac là cette année? Dame, dame, bump, dame, dame, bump. Merci Emile Maletra pour le 13e mois. Oh. Ah, en vrai t'es seul tout, hein, Digo, là, sur ce coup-là. Ok, nice. Moi, franchement, quand j'avais 2 ans, c'était dur. J'ai passé le bac à sable. Putain, la vache. Oh la vache, là. Oh, la gueule des blagues aujourd'hui. Oh la vache. T'as passé ton bac à sable. Très bien, très bien. Eh bé. ⁇ 2016, le bac. Ah ouais. Merci Jeff Multivert pour le 19e mois. Bac à sable. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Dans le feu. Wow, j'ai le feu aux fesses. Je m'appelle Luigi. Ha! Allez, come back here! ⁇ 2009.
Ah ok, les fantômes rouges, il faut le faire deux fois. Je viens de vider le bac à linge. Putain, la vache. Quel chat de cassos, putain. 2018-2005. Ah ouais, moi le bac, ça a été 4 ans, du coup. Entre mon premier bac de français et mon dernier bac général, il s'est passé 4 ans. Mon premier bac, je crois que c'était en 2002. 3, 4, 5... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai passé un bac en 2002, en 2003. Et le général, c'était 2004. Non, attends, c'est l'inverse. En 2001, 2, 3, 4. Je crois que mon premier bac de français, c'était 2001. Mon deuxième, c'était 2002. Mon premier bac général, c'était 2003. Mon deuxième, c'était 2004. Je crois que c'était ça. Avoir eu affaire à la bac, ça compte ? Oh, putain. Oh la vache. Ouais, c'est... T'as passé deux bacs ? Bah non, c'est juste que j'ai redoublé, quoi. En fait, j'ai redoublé mon bac de français. En gros, j'ai redoublé ma première et ma terminale, quoi. Donc en gros, j'ai passé quatre fois le bac, quoi. On va dire, j'ai 4 années d'affilée, j'ai fait des épreuves du bac. En gros. Au moins, t'as fini par l'avoir. Ouais, j'ai même eu une mention sans faire exprès. Mention assez bien. Tout ça pour faire la fac d'art plastique. Puis de l'audiovisuel. AKA, les milieux dans lesquels avoir le bac ne sert absolument à rien. Mais bon, je l'ai. C'est ma petite fierté. En vrai, je pense que... C'est incroyable à dire, mais je pense que c'est peut-être ma plus grande fierté de toute ma vie, ça doit être d'avoir réussi à avoir le bac. Ce qui peut paraître ridicule, parce qu'il y a beaucoup... La plupart des gens disent « Moi, j'ai rien foutu pour le bac, tout ça... » Et en fait, ça a tellement été compliqué pour moi, le bac. Ça reste encore aujourd'hui le truc le plus dur que j'ai eu à faire dans toute ma vie, quoi. Ah. Pourquoi on peut pas passer ? Un truc qui bloque, attends. Qu'est-ce qui bloque là ? Ah, mais il n'y a pas de... Ah, c'est ça ! Ah oui, en fait, il y a un tas d'ordures devant la porte. Pas mal ça. C'est pas d'être où t'en es aujourd'hui ta plus grande fierté ? Bah non, parce que là où j'en suis aujourd'hui, c'est la suite logique d'années de travail et voilà quoi. Et très sincèrement, voilà, on va toucher à des cordes un peu sensibles, mais je suis pas. Moi, de toute façon, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je suis contente de faire ce que je fais, mais ce n'est absolument pas une fierté. Alors que. Avoir réussi à avoir mon bac, sachant que je déteste le système scolaire, que je déteste étudier, que je déteste lire, et que à l'époque j'étais dépressive au point d'être suivie par plusieurs personnes et tout. Enfin non, avoir réussi à sortir de ma période lycée et d'avoir le bac, c'est vraiment le truc le plus improbable de toute ma vie. Vraiment, il n'y a rien de comparable. Après, c'est mon ressenti personnel, tu vois. Alors attends, je me demande s'il n'y a pas moyen de contourner. On va aller voir les pièces là-bas, mais je pense qu'il va falloir revenir ici après. Ah, voilà. Oh non, on va y avoir des araignées. Attention, vous êtes prêts ? Tout de suite des araignées. Là, il y a une porte. Une porte à l'état. Alors oui, d'ailleurs, d'un point de vue gameplay, là, je suis en train de regarder avec le mouvement de la manette, vous voyez. Là, je suis en train de regarder comme ça, vous voyez. Ça ressemble à Banjo-Kazooie, la musique. C'est vrai ?
C'est vrai, tout à fait, ouais. Ouais, bah c'est des musiques très cartoon, très jeux vidéo des années 90 en fait, ouais. Ce jeu est vraiment génial, au même titre que Luigi's Mansion 3, un des meilleurs jeux Switch, le 2. Était l'un des meilleurs jeux 3DS, j'en ai regardé. Ouais, bah justement, moi c'est ce que je disais, j'ai jamais testé la version 3DS. Donc là, je suis en full découverte et franchement, c'est, ouais, c'est très très cool. Le jeu est vraiment très bon. Quatre années de terminale pour l'avoir, c'était stressant. Ah, t'as fait quatre fois ta terminale. Moi, j'ai fait, ouais, deux secondes de première et de terminale. Ce qu'à l'époque, tout le monde appelait le grand chelem. En tant que prof... Ah, toi, t'es prof. Ah oui, c'est vrai. Je vois régulièrement des élèves qui se déchirent pour l'avoir alors que scolairement, c'était pas évident. Franchement, j'ai... Ouais, bah moi, c'est mon cas. C'est vraiment comme ça que je l'ai... comme ça que je le vis, ouais. Donc là, il y a une porte cachée. Comment faire pour atteindre cette porte cachée ? Je viens d'éviter le redoublement de justesse. Ouais. Et salut Nathan, d'ailleurs. Attends, il y a peut-être des indices. La cheminée, elle est bizarre. Il y a clairement une pierre. Mais là, la porte, elle est sur ma droite. Donc ça veut dire que ça, ça donne sur un couloir. C'est étonnant qu'on puisse pas aspirer la toile d'araignée. Ok, et alors, si on retourne dans le hall et qu'on essaie de passer à l'étage, est-ce qu'il y a moyen ? Pat, 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 pat. Oh merde! Fuck, fuck, fuckity fuck! Oh no! Oh wow, wow, wow! Mais... Come back here. Ouais, pas de backseat pour l'instant en tout cas. Si vraiment je suis bloqué, je vous dirai. Oh yeah. Oh yeah. Quand on t'apprend à troisième année de terminale que la note de français passée en première n'est valable que 2 ans et que tu dois repasser l'année et refaire le programme de français plus terminale, c'est dur. Ah ouais, putain, je comprends, ouais. Non, après, ouais, si vraiment je tourne en rond et que j'ai aucune idée, oui, je vous demanderai peut-être juste des indices. Donc là, on avait vu l'étoile qui était là. Ah oui, là, il y a une porte que j'ai pas... Ah bah voilà, tout simplement. Et oui, c'est vrai, parce qu'on avait récupéré une clé dans le cagibi en bas. Alors, les pots là, non ? Les grosses toiles d'araignée, on peut rien faire. Faut sauver le taux des Mario. Ah ouais ? Ok. Étrange un peu, mais... C'est des araignées dorées. Elles sont shiny. Vas-tu faire le jeu en entier? C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas. Je me suis pas vraiment... Attends, il y avait un poster. Je me suis pas vraiment fixé d'objectif. De base, je voulais juste faire au moins une session pour découvrir le jeu. Tout dépend si le jeu se renouvelle et s'il est vraiment intéressant, quoi. Parce que de base j'avais prévu de faire une session Elden Ring demain, mais
Étant donné que... Midi 45. Étant donné que le mode Steamless est toujours pas dispo... Ah, il faut avancer le temps. Ah non. Ah, les araignées dorées donnent plus de sous. Ah ouais, ok. Ah putain! J'allais dire, on dirait un rythme d'électro swing. Nice. Oh, le sound design est tellement impeccable. C'est très très plaisant. Hein. L'heure de ta console, j'imagine. Ah oui, parce que là... Ah oui, il est 13h47, il a pas pris en compte le changement d'heure. Ça, on dirait une intro de piste électro swing. Ok. Ah oui, ok, c'était utiliser ça, ça baissait le plafond. Ah, mais qui est l'architecte qui a conçu un tel mécanisme? Il doit être foilé. Qu'est-ce que... Oh, ok. Hey. Ah merde, attendez, il fallait juste que je check un truc. Une seconde. Merci Elfea pour Elfea, pardon, pour le 15e mois. Attendez, juste une seconde, faut juste que je... Ah ouais. La musique s'est lancée. Désolé, c'est pas moi. Ok, c'est bon, excusez-moi. Petit message à envoyer d'urgence. C'est mon comptable qui me demande comment ça se fait que j'ai dépensé 8000 euros dans des cartes Pokémon ce mois-ci. Salut Globule Rouge. Bip, bip, bip. Bon, ok, donc alors là, est-ce qu'on peut passer ici? Point, point, point. C'est faux, bien sûr, je n'ai pas 8000 euros à mettre dans des cartes Pokémon. Enfin, pas en un mois, en tout cas. Je me demande combien j'ai dépensé depuis que j'ai repris la collection de cartes il y a 4 ans à peu près. Je me demande vraiment combien j'ai dépensé en 4 ans. Je pense que ça représente quand même une petite somme. Plus de 9000 euros, c'est clair. Mais combien exactement? Je sais pas. Mais d'un autre côté, quel plaisir! Ok, là il y a un rouage. 7899? Non, non, je sais pas. Oh, en 4 ans, franchement... Non, non, j'ai clairement mis plus. Plus de 10 000 euros, ça c'est clair. Combien exactement? Je sais pas.
Entre toutes les ouvertures que j'ai pu faire de mon côté et les ouvertures que j'ai faites en stream, en moyenne, j'en fais une tous les deux semaines depuis 3 ans et demi. C'est quand même pas mal, quoi. Plus des trucs que des fois j'achète sans forcément streamer. Ah, mais je dis pas que c'est de la thune perdue. Mais en fait, même si ça prenait pas de valeur, moi je m'en fous. C'est du plaisir. Ça fait rien. Il y a certains trucs, c'est mieux de pas faire de compte sur l'argent dépensé. Ouais, je sais pas. Ah, attends, ça? Ok, c'est un lit. Oh, il va se faire un petit dodo. Ah merde! Oh waouh, le couloir secret! C'est pas de la thune perdue. Ah non, mais de toute façon, tout ce que j'ai pu acheter en carte de collection, c'est que des trucs que j'ai acheté pour me faire plaisir avant tout, ou faire des streams qualitatifs. Ou des fois un peu moins. Mais de base, même si ça prend pas de valeur, pour moi c'est pas de l'argent perdu, dans le sens où j'ai adoré toutes les ouvertures que j'ai pu faire en stream, et c'est un plaisir de collectionner. C'est comme ma collection de jeux vidéo, hein. Combien, en l'espace de 30 ans, combien j'ai accumulé, combien j'ai dépensé de jeux vidéo, ça représente des milliers et des milliers d'euros, évidemment, quoi. Rien que le dernier collector d'Elden Ring à 250 balles, bon, voilà, quoi. Lui, il prendra pas de valeur, lui. Hein. Je regrette absolument pas d'avoir dépensé le moindre centime dans toutes ces cartes. Et après, oui, si éventuellement, je sais qu'il y en a qui ont pris de la valeur. Bon, si vraiment un jour je suis dans la merde et tout, je sais que je peux éventuellement revendre ça, mais bon. Un paquet de clopes par jour pendant 4 ans, c'est 16 000 euros. Un paquet de clopes par jour pendant 4 ans, bah je vous déconseille de faire ça. Hein. Ah putain, c'est un peu une idée de merde. Mais oui, tu dis ça à titre de comparaison, c'est ça? Aïe aïe aïe, attends. Merde. Attends. Hop, et là je prends les deux. Oh non, il est pas content. Et en Morito. Nous sommes des pigeons, oui, mais des pigeons heureux. De display mascarade crépusculaire pour l'Amphinobi. Bah moi, en fait, mascarade crépusculaire, j'ai ouvert un display quand l'extension venait de sortir. Et je m'étais dit que j'en rachèterais au mois de juin. Mais comme là, je suis plutôt dans une optique de mettre des sous de côté, enfin... En tout cas, ma société met des sous de côté pour renouveler mon système informatique. C'est vrai que là, je suis plutôt en mode un peu économie. Je fais aucune dépense superflue. Ni moi de mon côté, ni en termes de... Attends. Ah oui, non, d'accord. Ni du côté de ma société, ni moi, je fais trop de dépenses. Là, c'est les soldes. J'ai rien acheté, de toute façon, j'ai besoin de rien, en vrai. Hello. Ah, ok, et là, on arrive là. Ah, on arrive dans l'atelier, d'accord. Où sont-ils? Nice. Je les ai eu tous les deux en même temps. Un par jour? De quoi? Ah oui, paquet de clopes. Bah y a, ouais, moi j'en connais plein. Hein.
Moi, j'ai des amis qui, à une époque, alors plus trop maintenant, mais il y a quelques années, je connais des gens qui fumaient plus de 2 paquets par jour. Hein. Et c'est pas Kenny qui est un ancien gros fumeur ? Parce que j'ai vu passer une story où il explique qu'il va essayer d'arrêter de fumer et de montrer l'évolution. Je trouve ça courageux. Hein. Quand t'es addict à un truc, c'est tellement chaud de t'en sortir. Quoi. Ciao. Moi, j'ai eu des addictions dans le passé que j'ai réussi à peu près contrôler. Mais je crois que la clope à arrêter, c'est vraiment vénère. Hein. De ce que j'ai cru comprendre, toutes les personnes que je connais qui ont essayé, j'ai l'impression que le plafond peut se péter. Le sevrage du tabac, c'est violent. Ah ouais, et c'est quoi, par exemple, les effets? C'est genre ça... Ah oui, ça rend agressif, non? C'est pas ça? Le pire, c'est l'alcool. Ouais, ouais, à ce qui paraît, ouais. À ce qui paraît, ouais. Ok, bon, là, j'ai récupéré le rouage. Ça étrange qu'il n'y ait pas tant de trucs à faire. Le tabac, j'en ai fumé, mais aucune addiction. Ouais. La clope, c'est assez easy en face des antidouleurs, antidépresseurs. Ah ouais, bah moi, antidouleur... mieux relaxant, antidouleur, tous ces trucs-là. Ouais, ouais, moi, j'ai... Je pense qu'à une époque, je peux dire que j'étais un peu accro à ces trucs-là. Mais après, c'est vicieux, parce que... C'est une addiction, mais en fait, c'est réel. Quand t'en prends, t'as beaucoup moins de douleur, quoi. Donc... Parce que t'as plein de gens qui ont pas spécialement de douleur et qui prennent des médicaments comme ça juste parce que ça les défonce, quoi. Et le problème, c'est que quand tu commences à être accro à la sensation de défonce, en plus du fait que tu sais que quand t'en prends, t'as moins de douleur, c'est un peu compliqué, ouais. Bon, il y a toujours une salle là que je sais pas ouvrir. Un peu bizarre cette histoire. Pam, pam. Quelqu'un parlait ouais, du être accro au sexe, mais je pense que chez certaines personnes ça peut vraiment être un problème. Hein. Le problème, c'est que clope alcool sont des anxiolytiques ultra puissants et faciles d'accès. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, il m'en manque encore. Qu'est-ce que le professeur Foutrax a à me dire? Qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement? Il est vrai quand c'est de... Attends, il est vrai que c'est de circonstance, mais essaye de te montrer mon plus positif. Hmm. Ah, ils ont dû les tordre. Ah bah donc c'est bon. Ok, donc on a fini la deuxième mission. Sympa, sympa. Perso, je suis accro à Mister MV. Ah, mais c'est pas trop grave, ça. Et les streams de Dame Dame Live, sinon, pas mal, non, aussi, hein. En vrai. Eh, MV. MV, le GOAT. Tout le monde s'accorde à le dire, et ce, depuis plus de 12 ans, ok. Mais Dame Dame Live, pas mal aussi, non? Eh, en vrai. Ah, y a un peu moins de TFT chez Dame Dame Live, c'est vrai. Mais y a d'autres trucs. Et un peu moins d'Isaac et de TFT chez moi, c'est vrai. Je prends du tramadol, je vous conseille d'éviter. On devient ultra dépendant. Alors à ce qui paraît, mais le truc c'est que moi le tramadol, heureusement peut-être même entre guillemets, je le supporte pas, enfin mon organisme le supporte pas du tout. Je suis pas allergique, mais j'ai un rejet complet de la molécule. Il y a des jeux de mots de qualité. C'est vrai ça, Mister MV il fait pas beaucoup de jeux de mots. Lui il balance des hot takes. J'ai jamais voulu en prendre qui a peur de l'addiction.
Non, mais après, si vous avez une ordonnance et que vous prenez des cachets pour la douleur en respectant les prescriptions, il y a quand même assez peu de chances que vous tombiez directement dans l'addiction. Hein. L'addiction, non, à part dans de rares cas, vraiment la sensation d'addiction sur certains médicaments, c'est vraiment quand vous vous mettez à beaucoup en prendre et que ça change votre vie et que je sais pas quoi, tu vois. Mais à partir du moment où de base vous respectez, vous avez un médecin à peu près normal qui vous donne une dose normale et que voilà, et que vous avez vraiment besoin du médicament en question, en vrai ça va quoi. Moi je trouve que le truc alors là en ce moment moi j'ai plus aucun médicament, je croise les doigts, mais j'avais eu ma psy, c'était il y a un an là, qui m'avait donné un médicament, je sais plus ce que c'était, une sorte d'anxiolytique. Le problème c'est que la posologie c'était qu'il fallait que j'en prenne entre 1 et 3 quand je sentais en avoir besoin. C'est-à-dire, en gros, quand j'étais dans des grosses phases de down, quand la dépression revenait ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est assez terrible parce que du coup, tu te dis... En fait, il faut vraiment que tu réussisses à prendre conscience de... Est-ce que là, je suis en train d'aller bien? Est-ce que je suis juste fatigué? Est-ce que je suis dans une phase vraiment dépressive? Est-ce que... Qu'est-ce que quoi, tu vois? Et du coup, là, le risque, c'est de te dire que bah, tu en prends jusqu'à ce que tu ailles bien, sauf que tu vas jamais vraiment bien, en fait. Et que le travail, il est pas exactement là-dessus, quoi. Et ça, ça, c'est un des derniers médicaments que j'ai pris, c'était il y a un an à peu près, ça. Et bon, alors, c'est vrai que ça marchait, hein. Le problème, c'est quand il a fallu arrêter, ça a été compliqué, quoi. Alprazolam, c'est le Xanax, ça. Alprazolam, ça va, je crois. C'est pas si violent que ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Moi, le dernier médicament que j'ai pris, c'était un anxiolytique qui s'appelait... Je sais plus le nom. Buspirone? Non, je sais plus. Et en fait, le truc était pas mal parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'effet de dépendance. Donc ça, c'était plutôt cool. Oh, on a Canard PC qui nous aide. Incroyable, merci beaucoup. Attends, on est en train de parler de drogue et de médicaments. Très bien, très bien. Oubliez la discussion qu'on vient d'avoir. Hey, salut les viewers de Canard PC. Ici, on parle gaming. On était en train de parler de dépendance, d'addiction et tout. C'était la discussion horrible. Ok. Bonjour tout le monde en tout cas. Bah moi, c'est Damdam Live. On est en train de tester donc le remaster HD de Luigi's Mansion 2 qui vient de sortir aujourd'hui même sur Switch. Donc voilà, on teste ça, installez-vous. J'espère que... Lisez bien le titre de mon stream, ça vous donnera des infos sur ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous faisiez chez Canard PC alors? On est encore un peu dans le début du jeu, là on a fait en gros les deux premières missions. Et le jeu est découpé en missions parce qu'à la base c'était un jeu sur DS. Donc je pense que d'un point de vue loading, c'était plus simple. Salut Ace of Glad. On faisait du shooter pour vieilles personnes. Shooter genre avec un flingue sur écran cathodique. Ouais, c'est ça, Buspirone. Ouais, c'est ça. Moi, le dernier anxiolytique que j'ai pris, c'était Buspirone. Et ce qui était pas mal, c'est que c'était un jeu... C'était un médicament qui n'a pas trop d'effet de dépendance. Voilà, histoire de finir cette discussion et de passer à autre chose. Mais ouais, moi, dans mon passé de grosse dépressive, j'ai pris des médocs qui étaient des fois super violents, avec des sevrages ultra compliqués à gérer, qui m'ont complètement fucked up, quoi. Je me souviens notamment d'une session, putain je me souviens encore, c'était sur Genshin Impact, alors ça devait être il y a un an et demi, un truc comme ça, deux ans peut-être. Et je me souviens c'était une session d'exploration à Liyue, donc la deuxième grosse zone du jeu. Et j'étais, à l'époque, j'étais en sevrage de je ne sais plus quel antidépresseur qui était réputé pour être assez cogné. Et je me souviens d'une session où en fait j'étais assise, mais j'avais la tête qui tournait de ouf et je racontais mais que des conneries. Mais genre vraiment que des conneries. Et je me souviens que le lendemain, quand ça allait mieux, je m'étais retapé la VOD entièrement pour être sûr que j'avais pas balancé des dingueries. J'avais fait un nombre de blagues de cul, de blagues sur le suicide et tout. Enfin, ça n'avait aucun sens, quoi.
Et ce live, vraiment, je me dis, putain, mais plus jamais, quoi. C'est vraiment... Alors, le live, au final, était drôle, parce que moi, des fois, je me mettais à rigoler sans aucune raison, donc c'était absurde, en fait. Mais heureusement que j'ai pas balancé des dingueries, parce que quand t'es dans un état comme ça, c'est typiquement le genre de truc qui peut arriver, quoi. RP bourré, ouais. Ouais, en fait, ça donnait presque l'impression... Non, pas bourré, mais ça donnait l'impression que je m'étais tapé deux pintes et que j'avais fumé deux grosses plifs avant le live, quoi. Et voilà, quoi. Et je me souviens que à la fin de mon stream, en plus, j'avais fait un gros stream, et je me souviens qu'à la fin, j'avais genre coupé mon live et tout, j'avais éteint mon PC, et je m'étais dit, putain, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Et quand je revois la VOD qui est disponible, elle est sur YouTube, je vous dirai pas laquelle c'est, mais la VOD est encore sur YouTube, et vraiment, c'est une phase d'exploration où littéralement, pendant 3 heures, à un moment donné, je tourne en rond autour d'une montagne, et je suis là, je dis, ah, je sais pas trop où faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est normal, c'est juste normal, quoi. Enfin bref. Alors, donc les rouages. Ah, les squelettes ont disparu, enfin les armures ont disparu. N'hésitez pas à regarder toutes mes VOD, bien sûr, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous à mon TikTok. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais là, disons que c'est l'anecdote un peu triviale, un peu rigolote. Mais en vrai, les sevrages, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Hein. Et ça peut vraiment être une source de souffrance. Ça peut vraiment être compliqué, quoi. Bref. Bon, en tout cas, Luigi's Mansion 2, très bien pour l'instant. Je connaissais pas cet épisode. Et il est très cool. Dans le milieu pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Il faut toujours faire attention. Dixit, le gros con qui fabrique des drogues. Tu fabriques des médicaments, toi, Mathieu ? C'est un truc de fou, ça. T'avais fait le 3 ? Alors, le 3, j'ai commencé à le faire avec ma pote Mila quand elle était passée en janvier. On avait fait, genre... on l'avait fait en full coop, genre pendant 4 heures. En gros, on avait fait les 3 premiers niveaux, je crois. Et du coup, on s'était dit... un jour, on le finira, quoi. Et attends, là, on peut rien faire, non. Ah, mais oui. Et alors, attends. Ah, mais il y est plus. Normalement, à l'étage, là, il y avait un... Il y avait un truc. Responsable de prod dans une industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais qu'est-ce que c'est? Come back here! Je plop! Ah, mais les araignées avec un flash, on peut les flasher, enfin on peut les buter direct. On l'a vu descendre avec le mécanisme. Ah oui, donc il doit être derrière la porte. Parce que sur la liste des gemmes, l'étoile, elle est au milieu. Donc je pense pas que ce soit une gemme qu'on récupère tout de suite. C'est du piano que j'entends. Putain, on dirait mon connard de voisin du dessus. Je veux dire, on dirait mon voisin du dessus, quand il apprend de façon digne à jouer du piano. Ah, ben voilà! Hein ? Ah. Ok. Attends, et ça? Non. Merde. Attends. Shit, fuck shit. Là, je me dis, peut-être que ça va faire quelque chose, mais...
D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu un shootout pour Canard PC, mais n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs. Beaucoup de contenu très qualitatif chez Canard PC. Merci pour le shoot autant. Un site de bagagerie sympa. C'est vraiment ça ta question? C'est vraiment ça ta question sur un live Luigi's Mansion 2 sur Switch? Eh bien pour te répondre, non, je ne crois pas en connaître. Ah attends, là il y a un truc. Oh knows! À la cuisine! Le level design est tellement simple et efficace. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? Ah merde! Ah, il y a une gemme, mais elle est dans un glaçon. Connard! Ok. Si vous connaissez un dentiste sur Tourcoing, je prends. Mais qu'est-ce que c'est vos questions là? Bon bah, tant qu'on en parle, moi je revends ma 206. 160 000 km. Quelques pets sur la carrosserie. Je la vends à 1008. Oh yeah. Mais pas sûr que vous passiez le contrôle technique. Juste ça quoi. $1,500 je prends. Ah, c'est pas assez, $1,500. Je peux descendre à... Allez, $1,700. Je peux appeler mon frère Steve. Il s'y connaît en 206. Alors Steve, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que les 206, j'en ai vu passer dans ma vie. En vrai, je pense qu'une 206 pareille... Ça vaut dans les 85 000 euros. Merci beaucoup, Steve. À plus. Bon, vous avez entendu ce que l'expert a dit. Ah, du coup, j'en demande 80 000. 80 000, non, c'est beaucoup trop. Écoutez, je peux vous en donner 200. Ah, faites un effort. Ok, 210. Allez, 215, et c'est vraiment mon dernier mot, quoi. Nice. Allez, affaire conclue. Je vous laisse aller voir Shumli, il va conclure la vente. Ah non, on peut pas, il est en prison pour... Pourquoi déjà? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Je sais plus, bref. Bienvenue sur Wheeler Dealer. Mais non, c'était une imitation de Pawn Star, pas de Wheeler Dealer. Wheeler Dealer, ça serait avec mon copain Steve. Je sais pas pourquoi toujours Steve. Steven, allez. Avec mon bon pote Steven, on a récupéré une 206. On l'a payé chez Pawn Star que 215 euros. C'est vraiment pas cher. Ah, le problème, c'est que là, il n'y a plus de roues, il n'y a plus de châssis. Faut refaire le toit, faut refaire les vitres. Attends, grâce à mon cousin Johnson qui travaille dans une usine de vitres, on peut peut-être en avoir pour 1 euro pièce. Ah putain, salut. Salut Steve, alors. Oh bah, tu cherches des vitres pour ta 206 à 1 euro pièce? Il se trouve que justement j'en ai réceptionné ce matin. Putain, trop bien Johnson, t'es vraiment le meilleur. Ellipse, après 3 coupures publicitaires, 45 minutes plus tard. Et voilà, on a retapé à neuf cette 206. On va pouvoir désormais la vendre 80 000 euros. Ce qui nous fait un bénéfice de 79 800 euros. A bientôt dans Wheeler Dealer. Non mais le pire c'est que ces émissions c'est vraiment ça quoi. Le mec il dit ah, j'ai récupéré une Ferrari d'occasion à 1000 balles. Alors déjà tu te dis mais comment t'as pu récupérer une Ferrari d'occasion à 1000 balles? Bon.
Et le mec dit, alors le problème c'est que pour faire fonctionner le moteur, il y a besoin d'un engrenage qui a été fabriqué une fois dans le sud de l'Italie en 1957. J'ai justement un pote qui en vend un en ce moment. Tu te dis, mais comment en fait? Quelle vie ont ces gens? Et le mec il met l'engrenage et bah ça y est, elle remarche. Et du coup on va pouvoir la revendre 100 000 euros. Ok. Ok, bah moi j'ai acheté une carte Pikachu à 30 euros l'autre jour. C'est la fin de mon anecdote. Le doublage énervé me bute toujours dans ces émissions. Ah non, mais le doublage, il est... Moi, je suis sûr que les comédiens de doublage, je suis sûr qu'ils se marrent quand ils font ça. Laissez-moi appeler mon meilleur pote, justement spécialisé dans ce topic précis. Ouais, c'est trop ça. Mon chef qui me regarde... En demandant pourquoi je me tape des barres, c'est terrible. Ok, alors c'est le boss, c'est le boss. N'hésitez pas, si vous voulez que j'imite d'autres émissions, n'hésitez pas à me dire. Ah merde. Il s'est planqué. Mimi. Ça va, c'était pas le boss le plus dur au monde. Ah, mais il est pas mort! Ok. Merde. J'aurais dû l'achever. C'est oui. Enquêter dans la bibliothèque. Très bien. Quand t'aspires un fantôme, si tu fais A ou B dans une direction, tu peux faire des petites esquives. Ouais, je crois que je le fais un peu déjà, non? Merci de Tranquille TV pour le sum, c'est très gentil. Les ventes aux enchères de boxe sont pas mal goldées quelquefois. Ah ouais, les ventes aux enchères de boxe, ouais. Mais je me demande, à mon avis, c'est truqué, ça. Ce que j'adore, c'est que des fois, ils sont beaucoup trop optimistes. Genre, le mec, il achète un box qui est rempli de bordel. Et il dit, ah ouais, alors ça c'est un tapis de souris. Oh, ça va se revendre 35 euros. Pas du tout, absolument pas. Il dit, ah, ça c'est un vieux pneu moisi. Oh, ça je pourrais le revendre à 200 dollars. Pas du tout. Dans aucun monde t'arriveras à faire ça. Mais... Et le mec, en fait, pour dédramatiser le fait qu'il n'y a pas de dinguerie dans le box, il va dire, ah bah il y a plein d'items. Ouais, alors ça c'est une boîte en carton vide. Ça, je vais la revendre 15 dollars sans problème. Bah non, absolument pas. Personne t'achètera jamais ça, quoi. Des fois, ils trouvent vraiment des dingueries. Mais des fois, je trouve qu'ils sont un peu trop optimistes sur combien ils vont les vendre et tout. Ils savent le prix de chaque objet de tout le... Ouais, de l'univers entier, ouais. C'est ça. Deux straps mobiles achetés sur le site de Damdam. Ah, merci beaucoup. Quel embrun bord. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, les straps, moi je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon produit préféré sur la boutique. J'en ai mis deux sur mon sac Guess il y a un an, un truc comme ça. Ils tiennent super bien en plus. J'ai un king pour le meilleur forgeron. Ah, j'aime pas trop. J'ai déjà regardé, j'aime pas. Regardez comment je découpe des cordes et empale des mannequins en gel balistique. Ouais. Ouais, j'aime pas trop. Je trouve qu'en fait, les profils qu'ils prennent dans le meilleur forgeron, ils sont trop clichés. Juste en présentant les profils, tu sais à l'avance qui va gagner, quoi, tu vois. Nouvelle gemme.
Les Cérébrus sont nettement plus puissants que les autres fantômes. Ils ne sont pas des meneurs. Ah, c'est ceux qui sont rouges, c'est ça ? On va sûrement beaucoup apprendre de choses dans les étudiants. Ils ne connaissent pas l'austénitique. C'est juste trop la trempe. J'ai pas du tout compris cette phrase. Face off à l'époque, qui se souvient ? Face off ? Non, ça me dit rien. Après, Wheeler Dealer, c'est sympa dans le sens où ça te montre quand même un peu la mécanique et tout. Mais bon, tu regardes deux épisodes, tu les as tous vus, quoi. Face off le feu. Face off ? Pourquoi ça me dit rien ? Face off. Ah, c'est le maquillage effets spéciaux. Ouais, j'ai déjà regardé. C'est impressionnant. C'est impressionnant, effectivement. Après, moi, je suis pas très fan de tous ces trucs-là. Mais oui, c'est les mecs qui font les effets spéciaux de ouf, là. Ouais, j'avais vu ça. Putain, mais l'autre jour, je suis tombée sur une émission catastrophique où les gens... C'était sur Internet. Les gens font des tatouages sans dire à l'autre ce que c'est. Et en fait, à chaque fois, c'est des trucs de vengeance. Tu vois, genre, ah bah, comme tu m'as trompé une fois en 2001, et eh ben du coup, je t'ai fait tatouer un diablotin qui se fait empaler par le cul par Donald Trump, dont la bite a 5 anneaux pour rappeler nos 5 enfants. Enfin, c'est des trucs, mais complètement chez père, quoi. Mais c'est juste de la méchanceté pure basée sur rien, quoi. Et le mec, bah, du coup, il se retrouve avec un tatouage comme as sur la jambe. Sauf que bah, les deux, ils sont encore mariés. Tu te dis, t'as un meuf... Enfin, si ça t'a traumatisé tant que ça, que ton mari te trompe il y a 20 ans, dans ce cas-là, quitte-le, quoi. Enfin, à quoi ça sert de se vanter comme ça ? C'est vraiment... Enfin, de se venger comme ça, quoi. C'est... Ouais, c'était un peu bizarre, ce truc. Je sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé. Moi, j'ai vu un best-of sur YouTube, là. C'est sur MTV ? Ah ouais ? Bah, est-ce que c'est vraiment étonnant? Just Tattoo of Us, c'est ça le nom? Surtout qu'au final, c'est quand même des vrais tatouages. Donc en gros, un mois plus tard, les gens ils prendront rendez-vous aux États-Unis pour se faire détatouer, quoi. Ça va leur niquer la peau. Tout ça pour un chèque qui, à mon avis, doit pas être très élevé de la part de MTV. Je sais pas. Un peu du mal, c'est un peu le côté télé-réalité que j'aime pas, ça. Ça va un peu trop loin, quoi. Oui, il y a le laser, bien sûr, ouais. Mais bon, moi je connais pas mal de gens qui se sont fait enlever des tatouages au laser. Ça prend un temps fou, quoi. Il faut faire, selon la taille du tatouage, c'est plein de séances réparties sur des mois, voire des années. Ça coûte cher, ça fait giga mal, apparemment. C'est pas anodin, quoi, tu vois. Ink Master, c'est cool. Ça, c'est l'émission où c'est vraiment où c'est des défis, c'est ça. Et c'est des vrais tatouages, quoi. Ouais, mais tu vois, je crois que je l'ai déjà vu, cette émission. Et en fait, dans le principe, je trouve ça cool parce que bah du coup, c'est des vrais tatou artistes qui font des vraies belles pièces. Mais le problème, c'est que des fois, ils sont obligés d'abréger parce que comme c'est un concours, ils sont limités par le temps. Et des fois, tu vois clairement, il y a des tatouages qui sont pas tout à fait finis et qui sont un peu trop, voilà quoi. Tattoo cover, j'avais déjà vu ça, ouais. Après, je vous avoue que je suis pas passionnée par le monde des tatouages. En témoigne ma peau immaculée. Mais ouais, c'est rigolo. C'est rigolo de temps en temps. Mais en fait, souvent, ces émissions-là, je regarde un épisode. Un ou deux, grand max. Après, c'est un peu toujours pareil aussi, quoi. Et par contre, les trucs de brocante, de rénovation, de box, machin, ça j'aime bien. C'était comme comment ils s'appelaient les deux mecs qui parcouraient les États-Unis dans un pick-up et ils sonnent chez des gens qui ont des baras dans leur jardin et ils fouinent pour trouver des bons trucs et tout. Je trouve ça trop intéressant, ça. Ça, genre, à une époque, je regardais toujours. Ah! Les armures sont de retour! Pat, 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 pat.
pourquoi elles étaient pas là tout à l'heure? American Pickers, ouais. American Pickers, c'était pas mal, franchement. Moi, j'aimais bien. Après, pour une star aussi, c'est rigolo parce qu'au moins, ça t'apprend un peu le... Bah, ça t'apprend certaines histoires. Après, le schéma dans Pawn Star est tellement toujours le même. C'est un peu... bon. Ouvreur de coffre-fort. Putain, j'ai pas lu. J'ai pas vu ça. Ça, c'est la pièce qu'on avait déjà checkée. Après, il y a aussi l'émission française, là. Ça, c'est mes parents la regardent toujours. Comment elle s'appelle ? L'émission où c'est des enchères, et donc tu as des experts qui viennent expertiser des trucs. Et après... Et après, il y a le vendeur qui vient et qui assiste à la mise aux enchères de son objet. Affaire conclue ? Un truc à vendre ? Ah, je sais pas. J'ai jamais regardé, mais mes parents m'ont dit que c'était cool. Et j'ai vu la présentatrice, là, une brune, je crois. J'ai vu une interview d'elle où, pareil, ça montrait qu'elle était... Enfin, elle avait l'air vraiment passionnée par son truc. Je trouvais ça cool, quoi. Un trésor dans votre maison ? Je sais pas, attends, je vais voir. Affaire conclue, vous dites ? Oui, c'est ça, c'est affaire conclue. Ah ouais, bah ça, mes parents, ils regardent toujours ça. À 16h15, ah oui ! Émission de semaine à partir de 16h15. Bon, bah voilà pourquoi mes parents qui sont retraités regardent. Ouais. J'étais en train de me dire, mais sur quelle chaîne ça passe ? Ah bah c'est pour ça. Sur France 2. Ah ouais, bah apparemment c'est pas mal cette émission. Julia Vignali. Ok. Ma mère est fan d'Absolu aussi. Ah ouais. Putain, mais je me refais avoir. Je me refais prank. Come back here. La femme de Cadmerad. Qui ça, la présentatrice de Affaires conclues ? Eh ben, c'est bien pour elle. Merde. Oh, connard. Ah! Pourquoi j'arrive pas? Putain, je suis en train de perdre. Big Deal fait son grand retour. Ah, je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle, ça. Ah, Big Deal. Ouais, je sais pas. J'ai jamais été très fan de ce genre de truc. Pourquoi j'arrive pas à le flasher, lui ? Le problème, c'est qu'à chaque fois, il est sur le trajet. Thank you.
Ok. Et un dernier. Il est où le dernier? Ok. Punaise. Alors, le but, c'est d'essayer d'aller voir par en haut si on peut pas descendre. Pat. Tu vois, genre là, ici. Et là, est-ce qu'on peut passer par ici? Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui me permettrait d'aller en dessous? Aha! Tiens. Well. Ok. Oh, attends. Il y avait des pièces. Sur la cheminée, il y avait des pièces. Nose. Ah oui, c'était cette maison-là. Une nouvelle torche. Torche spectrale. Ah, si ça se trouve, ça va être une torche pour enlever les étoiles d'araignée. Ok. Ah oui, d'accord, lui, là. Voilà. Ah, il faut lui enlever les lunettes. Là, je le flash. Ah ouais, ok. Rigolo. L'animation est marrante. Salut Tyrell. Oh wow. Ça serait tellement trop cool de voir une émission comme American Pickers, mais basée sur tout ce qui est arcade, flipper et compagnie. Ça serait tellement trop cool. Ciao. Il y aurait besoin que de 400 000 euros pour financer l'émission. C'est donné. Et pour repartir, je fais quoi? Ah oui, par la cheminée. Non. Ah oui, d'accord, on voit la porte. Mais attends. Ah oui, ok, ça génère des bulles. Et en aspirant les bulles, ça révèle le truc caché. Ok. Une autre émission récente, le vendeur estime le prix qu'il souhaite. Un panel d'acheteurs arrive, fait monter les enchères et ensuite un spécialiste. Bah c'est ça, non? Ce que tu décris, c'est pas le... C'est pas affaire conclue? Le vendeur a soit le choix d'accepter l'offre, soit de prendre le risque de mettre le truc aux enchères. Je crois que c'était ça, hein. Il me semble que dans le pitch... J'ai jamais regardé, mais dans le pitch, je crois que c'est ça. Point. Oh. Yellow.
Ah, trop de dialogue. Hein. Capturer celui qui libère les nébulosphères. Oh! Théma, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, là, il y a un truc. Bon, bon, bon. Un bateau croisière a été retrouvé avec 50 bornes d'arcade à son bord, elles ont pu être sauvées. Ah ouais? Récemment, là? Non, que ça revienne à chaque fois, ça. Attends, je fais ça. Ah, ok, ça révèle l'item. Hey, hey. Ok, et là, donc, il y a forcément une porte. Donc là, on fait ça. Ça génère des bulles. J'aspire les bulles. Et on passe. Et on utilise la clé qu'on vient de débloquer. Ok, nice. Après, les bandes d'arcade dans les bateaux de croisière... Ouais, ça dépend. À une époque, c'est vrai que sur les bateaux... Moi, je sais que quand je prenais le ferry pour aller en Irlande, par exemple, il y avait toujours une petite salle d'arcade, c'était cool. J'adore l'ambiance, là. Ah, ça fait des billets. Ah, Batman, là, file-moi ton bifton. Give me your beef, John. Et il y a des photos, Nani Nao, de ça? Attends. Si je tape... un bateau de 1950, les bandes d'arcade sont assez cool. Ah ouais? Bateau, croisière, sauvé, arcade. Si je tape ça sur Google, par exemple. Pom, 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 pom. Aïe, 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 il y a un article, mais c'est jeuxvideo.com. Est-ce que je prends le risque de cliquer? ...50 bornes d'arcade. Ah ouais, il y a une photo. Oh, c'est des bornes américaines, ça. Oh, c'est des... Oh oui, d'accord, c'est très très vintage, ça. C'est des très vieilles bornes américaines, vas-y, fais voir. Ah ouais, c'est... mais c'est des... C'est des Space Invaders de l'époque. Crash ou enchère? Ah ouais, je connais pas. Attends, vas-y, on regarde deux secondes, là. Donc ouais, alors après, les Space Invaders, ils en ont refait pas mal, je sais pas si c'est les mêmes. Roulette, ah mais ça c'était les jeux, c'est les jeux mécaniques, ça, en fait. Ah ouais, mais c'est quoi, c'est un jukebox, là, à droite? Ça, c'est beaucoup de bornes américaines. Hein. Ah, si c'est des bornes vraiment d'époque, c'est des bornes années 70-80, quoi. C'est cool qu'ils aient récupéré ça. En espérant que ça soit restauré. Ça, c'est des patchy slots. Ah, il y a même des flippers. C'est pas vrai. Pareil, faudrait voir. Vieux flipper, ok. La qualité d'image est pas ouf, hein. On dirait un... On dirait les backrooms. Enfin, le mec, il était content, là. Alors, honnêtement, les bornes... en fait, souvent, sur ces bornes-là, les panels sur le côté étaient donc en bois. Donc beaucoup de prise d'humidité et souvent les visuels qui étaient sur le côté, les peintures d'époque. Bon, maintenant ça peut se refaire, mais c'est très dur de trouver des bornes qui ont des peintures d'époque qui sont en bon état, quoi. C'est quoi, c'est un Darius? Non, je pense pas.
Ah ouais, ça c'est des bornes génériques américaines. Putain, j'ai jamais vu. Le modèle là, je l'ai jamais vu. Subs, ouais, ouais. J'ai un ami qui en a des bornes comme ça. Avec les monnayeurs, ouais. Elles ont sûrement pris l'humidité de malade. Après, faut voir où était stocké ce fameux bateau, quoi. Mais ouais, ça, c'est des patchy slots. Enfin, c'est des mini-machines de casino, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Astéroïdes. Ouais, ouais, ça a l'air d'être des bandes d'époque, hein. Putain, c'est ouf. Atari Basketball. Ah ouais, putain, avec la plaque en verre, là. C'est nice, hein. Ouais, c'est une belle trouvaille. Mais alors ça, c'est du very... Very vintage et version US. C'est pas le type de borne que je préfère, mais bon, ça a marqué l'histoire de l'arcade. Ouais, ça, c'est les bornes patchy slot. Oh putain, le Galaga là! Oh la vache! Ah ouais, alors ça c'est rare ça. Hein. Galaxian, pardon. Galaxian ou Galaga? Non, Galaxian. Ah ouais, ouais, putain. Ah ouais, borne américaine. Ça, vous voyez, les visuels comme ça, là. Si c'est vraiment une borne d'époque, mais je sais pas, la forme, je la trouve suspecte. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment d'époque, ça. Si c'est le cas, ouais, c'est rare, ça. Petit hélicoptère et tout. Il y en a une qui est branchée. What the fuck? Eh bien, bah GG aux personnes qui ont trouvé ça. Je sais pas s'ils vont réussir à les extraire de là. Ah, trop bien. Ah, puis en plus, il y a un entrepôt où il y a d'autres bornes. Oh la vache! Ah ouais! Oh, le coup de filet, quoi. Ah, moi, je connais des bricoleurs collectionneurs en France. Là, tu leur mets ça sous la main. Les mecs, ils prennent 3 ans, ils retapent tout à neuf, quoi. Je connais pas ça. Ah, les bornes US, c'est un délire. C'est pas mes bornes préférées. Putain, il y a un tas de PCB. Ah, les vieilles PCB, là. Ça, faut les nettoyer, faut les récupérer. Trop marrant. Trop bien. Et alors, attends, qu'est-ce qu'ils mettent sur YouTube ? When we first saw the game, les casseurs. Hein. Et alors, c'est quoi? Ah, mais c'est une association arcade. Ah, j'ai l'impression que c'est des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Récupération et rénovation de bornes d'arcade. Ah, bah, c'est cool, hein. C'est nice, hein. Belle trouvaille. GG à eux. Non, j'avais pas du tout vu passer cette info. Ouais, Galaxian, après, attends. Galaxian, Arcade Cabinet. Fais-moi voir à quoi ça ressemble de base. Ah si, si, hein, c'est la forme. En fait, il y a plusieurs versions de la borne. Mais la version incurvée, là, elle existe vraiment. Hein. Ça serait marrant que ça soit une vraie... C'est fou, hein. Alors. Donc ça, attends, on peut pas passer là. Ploc. Non. Oh. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui restaure des jeux d'arcade en les démontant qu'il dépaisse les bornes? Ah, il dépaisse les bornes. Eh ben, ouais, a priori. Hein. Je crois que c'est le but. Hein. Moult thunes. Je
préfère les bornes plus récentes, genre Egret 2. Non, enfin c'est pas forcément que j'aime les bornes plus récentes, c'est juste que les bornes vintage US, elles ont vraiment un look particulier. Moi, c'est vrai que je suis pas méga fan. Après. Ah, ok, c'était bien ça. Ah. Il y avait bel et bien un truc à faire avec. Ok, c'est bon. Je vais quand même visiter le jardin avant d'y aller. Les billets! Oh, ok. Ah, c'est la pierre tombale du professeur. Maintenant, on utilise ça. Waouh, trop bien, le mécanisme. C'est tellement satisfaisant, ça marche tellement bien. Et là, il y a rien à faire là-dessus. Si. Ok, nice. Petite améthyste. Il y a des bornes d'arcade en vente dernièrement, une compilation Street Fighter 2 et jeux Capcom, TMNT et Simpson Arcade Game. Des bornes en vente récentes. Comment ça, tu veux dire? Tu veux dire, il y a des vieilles bornes qui sont récemment, qui ont récemment été en vente? Ou est-ce que tu parles de gens qui recréent les bornes de l'époque. La bande Simpson Arcade, moi j'ai beau être fan des Simpsons, le jeu est tellement dur, franchement. Pas très intéressant. Ah, ça fait des lingots! Bah. Nice. J'ai loupé un lingot. Dommage. Oh, ok. Alors, attends. Il y a une marque qui en refait. Ah ouais. À un prix probablement exorbitant. Nice. Mais on peut rien faire là. Arcade One Up. Et combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, j'ai trouvé une clé. Ah oui, donc la clé va me permettre de passer là. Hop. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais attends.
que le joyau qui est... Le joyau qui est congelé, là, on l'avait déjà vu, en fait. Merde, je l'ai pas eu, du coup. Ça va être dur. 30 HP, là, sur une salle comme ça? Aïe, aïe, aïe! Vite, fuyons! Ok. Oh, ok. Premier, le peut-être le premier game over sur cette salle. Ok. Ça se prend. Oh, ça se prend très très bien. Là. Ok. Putain, il restait rien. C'est bon. Oui, donc ça, on est d'accord qu'il l'ai déjà eu, en fait. Il est bloqué. Ah. Je crois que j'ai un bug. J'arrive plus à enlever ça. Oh non, ça veut dire qu'il faut tout se retaper. Oh non. Pitié, non. Oh là là, un bug dans un jeu Nintendo, c'est tellement rare. Attends, à moins qu'il faut vraiment emmener ça quelque part. Ah si, c'est bon. Ok, ok. Je trouvais ça étrange aussi. Ah oui, on peut souffler avec l'autre gâchette, j'avais pas vu. On est de retour là. Là, il y a un truc. C'est le globe terrestre. C'est l'esprit du globe terrestre. On met le globe terrestre dans le feu, c'est ça? Ah non, d'accord. Ah. Pas forcément besoin de clipper. En vrai, ça va, quoi, tu vois. Ah, mais c'est fermé. Mais attends, mais comment on fait pour partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah si, là, il y a la porte. On n'a pas accès à la carte. Ah si. Trouver le révéloscope. Bah, je l'ai trouvé en soi. Capturer celui qui libère les nébulosphères. Ah, dans le laboratoire
et trouver le coupable. On va retourner dans le hall peut-être. Là-dessus, on peut rien faire. Là. Ok. Il y avait un meuble. Ouah, et max de thunes. Max de thunes. Et là, il y a toujours l'histoire d'un truc. En fait, je pense qu'il faut faire ça. Lever. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Faut peut-être juste refaire toutes les salles qu'on a pu faire. Attends, il y a une action là. Oh! Ok, on peut voir qu'il y a une gemme dans la toile d'araignée qui est... Ah, du coup, elle serait là. Yes! C'est très satisfaisant, hein. Ce jeu est vraiment satisfaisant. C'est un concentré de dopamine et de petites actions et de petites récompenses dont les sons et effets lumineux n'a pour but que de satisfaire le joueur toujours et plus encore. Ah, par contre, ce truc-là, je vois pas comment le... Ah là ! Eh oui. Ça n'a pas suffi. Ok. Max de thunes. Là, on voit bien qu'il y a un truc, hein. Mais c'est fou, ça. Pourquoi on peut rien faire ? Il y a clairement un truc, mais je vois pas comment le... nous laisse croire qu'il y a autre chose ici. Ah là. Ça sous-entend qu'il y a un truc derrière, c'est ça? Ah ouais, il y a ça aussi. Attends, est-ce que là... Ah, là, il y a une porte. Là. 4, 5. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un barbecue? Avec un allume-barbecue? C'est bizarre, mon bon Scooby-Doo, c'est vrai. Quelle aventure, mon bon Milou. Ah non, Scooby-Doo. Quoi, neuf Scooby-Doo? Tu mets du tu chasses les spectres partout. Tu n'as aucune forme de respect. Quoi, neuf Scooby-Doo?
Ah, attends. Il y avait une porte. Ah oui, mais la porte nécessite de péter l'étoile d'araignée. Donc on peut peut-être faire le tour par là. Je crois que c'est pas cette version. Ouais, c'est parce que... Là, c'est la version... C'est la version Not Scooby-Doo. Tu vas résoudre ce mystère. Doudoudoudoudou. Ah, il y a un truc là. Il est vraiment good vibe ce jeu. Hein. C'est vraiment cool quoi. C'est là que je me dis, putain, la Switch quand même. Ah, la Switch, hein. On dira ce qu'on voudra, mais... Ok. Alors, en vrai, ce remake HD ne serait pas sorti. Je pense que j'aurais jamais mis la main sur le jeu. Oui, donc là, la pièce est en noir, ça prouve qu'il y a encore un truc à faire dessus. Et donc là, ça prouve qu'il y a des bulles de l'autre côté, c'est ça ? Ah ! C'est un flash ! Le flash... Ok. Allume le barbecue. Est-ce que je peux le pousser ? Ah, je peux peut-être tirer le barbecue. Non. Chill et Wholesome, t'aurais dit ah ouais sur le jeu ? Je sais pas. Peut-être pas quand même ? Extinversion. Ah oui, quoi de neuf les voyous ? Ah oui, de... C'est qui, c'est Bromaz ? C'est le crew Bromaz, Théa et compagnie, là, c'est ça ? Version anarchiste, là, non, c'est pas ça. Je l'avais entendu, cette chanson. Hein. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut faire, ici. Peut-être retourner au rez-de-chaussée ? Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs à faire là. Attends. Et là, si on passe. On peut pas aspirer la toile araignée, non. Justement, non. Ah oui, mais là, on peut pas passer. Il y a une toile araignée aussi. De toute façon, là, la pièce est noircie sur le plan, donc ça montre qu'il y a un truc à faire dedans. Ah, mais en fait, il y a plusieurs feux à activer dans plusieurs endroits. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre le barbecue et ce poêle ? Peut-être. Ah ! Ça, c'est le shortcut pour passer en dessous, je crois. Ah non, c'est pour passer dans la pièce d'à côté. On va résoudre ce mystère. Il y a une gâchette qui souffle, ouais. Ouais, bah c'est l'autre gâchette, mais bon, je vois pas trop. Ah non, mais là, ça nous dit qu'on a tout fait. Ah ! Ou alors sur le feu ? Ah, mais on peut pas repasser ici. Attends, comment je fais pour passer, du coup ? En fait, on est obligé de redescendre.
Peut-être pour attiser le feu et que le feu crame la toile, ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, peut-être, je sais pas. Faut qu'on teste. Donc là, on est de retour au rez-de-chaussée. Et on sait toujours pas c'est quoi la musique de Winnie l'ourson, hein, que j'ai essayé de chantonner hier. Si je souffle là-dessus, non, je sais pas. Là, théoriquement, il y a un autre truc à faire. Somewhere. Ah, là. Non, ça c'est déjà fait. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait ici? Ça, on l'avait fait. Je vois pas trop quel serait le dernier truc à faire. Ça, on l'a déjà récupéré. Ah, si vous avez peut-être un indice, je prends. Là, on est déjà allé. C'est vrai que le barbecue à l'étage, si ça se trouve, fallait juste souffler dessus. Je sais pas. Redescendre la statue. La statue, laquelle ? Et attends. Ah oui, si on souffle sur le feu, ça l'attise. En fait, si on aspire sur le feu, ça l'attise aussi. Ah merde! Est-ce que là on peut passer? Ah non, je peux pas passer avec le glaçon. Je pense qu'on aurait pu le mettre dans le feu, mais... En fait, le fait que ça soit noirci sur la map, sur cette pièce-là, qui est donc le patio extérieur, montre qu'il y a encore une action à faire. Mais je vois pas ce que ça peut être. Non, là, je suis obligée de passer par là. Là, il y a toujours le truc ici, là. Bon, je suis du père, hein. Il va falloir qu'on regarde une solution sur internet. Putain, à deux doigts de regarder une solution, putain, c'est incroyable. Trace de spectre sur les murs t'indique le chemin. Bah oui, mais... Bah, là, on voit la fumée blanche. Ah
Alors, on a qu'à retourner dehors, là, si ça se trouve, c'est vraiment l'histoire du barbecue. Mais je vois pas trop en quoi ça changerait quoi que ce soit, mais... Ah non, ça fait rien. En fait, là, le couloir me dit qu'il y a un truc à faire, là. Je vois pas ce que ça peut être, parce que... Là, normalement, il y a des bulles qui sont censées sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Putain, j'en ai aucune idée. Bon, qui se dévoue pour regarder un playthrough sur, sur YouTube? Il y a peut-être un indice là-dedans. Là, on voit bien une porte à gauche. Ah! Pourquoi il m'appelle maintenant, lui? Tu es sur la bonne voie, je pense que tu approches du but. Il se passe quelque chose dans la salle à manger. Trouve le moyen d'entrer dans cette pièce. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Juste avant, le coffre a été ouvert. Le coffre? Quel coffre? Il faut bien brûler les grosses toiles. Bah oui, mais comment? On peut pas aspirer le feu pour le recracher. Il y a sûrement un truc à faire avec les flammes, mais je vois pas quoi. Le monte-charge à la cuisine, tu peux pas le prendre. Si, mais ça sert à descendre. En gros, la question c'est... Ah là, non, mais attends! Ça! Ça, on peut le flasher, ça! Qu'est-ce que ça donne? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement vide! Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? C'est un coffre vide. Parce que là, le problème, c'est qu'on arrive à l'étage de la bibliothèque, mais là, on retrouve, encore une fois, une toile. Est-ce que tu peux passer de la cuisine pour passer par le monde plat et arriver dans la salle à manger? Ah, non. J'ai déjà essayé, on peut pas monter dedans. Oui, là où il y a le glaçon en dessous, là. Non, j'ai déjà essayé. Ça, on peut pas passer. Putain, je suis vraiment paumé. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Les flammes du barbecue, tu peux pas cramer la toile? Bah non, enfin, ou alors en tout cas, je sais pas comment on fait. Parce que j'ai essayé les... Enfin, en gros, on a quatre actions possibles. Il y a l'appareil photo. Voilà. Il y a ce fameux truc spectral qui révèle une marque, mais ça donne rien. Sur le barbecue, ça fait rien. Après, on peut soit aspirer, soit on peut souffler. Mais il y a aucune de ces actions qui sert à quoi que ce soit, quoi. Des trucs à faire apparaître au sol. Non. Attends, là il y a des bulles? Non. Ce niveau t'avait fait galérer? Internet dit en utilisant le monte-plat de la cuisine. Ben oui, mais j'ai déjà essayé, on peut pas passer dedans. Ou alors il y a une action que j'ai peut-être pas comprise, mais... alors attends. Ah mais attends, du coup ça on peut le faire aussi. Pourquoi il y a rien? La salle à manger, elle est où? C'est bien par le monte-charge. Ah ouais? Voilà qui est bien étonnant. Alors attends, retournons à la cuisine qui est là, je crois.
Aspirer, souffler. Voilà, excusez-moi, je veux bien être sympa, mais je vois vraiment pas comment ouvrir ce putain de truc, hein. Corde au plafond. Oh putain, ici! Oh là, putain, je ne l'aurais jamais trouvé. Parce qu'en fait, le côté de la corde était aligné avec la mini-map. J'étais concentré sur absolument tout à l'écran sauf ça. Jamais je ne l'aurais trouvé. Oh la vache, putain, ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond pour ça, quoi. Au secours, quoi. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah merci pour le backseat, parce que là, j'étais à deux doigts de regarder un playthrough. Toi, l'araignée, ça doit être plus tard, ouais. Oh, le banquet. Ah oui, du coup, le fantôme, il est glouton. Miam, 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 je vais me régaler. Et ce, même si j'ai pas d'estomac. Blague de fantôme. Yo. Okay. Ah oui, la nappe. Comment on fait? Mais... Ah oui, d'accord, le chariot à manger. Pourquoi je peux pas aller... Hein? Pourquoi j'ai pas réussi à aller... Plop, plop, plop. Ok. Pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il y avait un truc à faire là. Ah oui, d'accord, faut carrément le tirer. Non, ça c'était le... Mais non, ça c'était le rideau. Ah, c'est le rideau qui cache les cœurs, d'accord. En fait, je comprends pas ce qu'il faut faire. Mais en fait, pour le révéler, il faut le flasher ou le faire avec le truc rainbow, là? Ok. Mais où est-ce qu'il est, ce con? Ah là, il y a un bruit.
Et là, pourquoi je peux pas le... Mais putain, mais pourquoi? Je comprends pas. En fait, le but, c'est pas de le... Le but, c'est pas de le flasher. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas fait assez d'études, vous savez. Faire 4 fois le bac, ça a pas été suffisant pour moi. Faut aspirer sa langue quand il est KO. Ah bon? Ah! Non mais là, putain mais c'est ouf parce que d'un point de vue logique pur, ça je n'aurais jamais réussi à le comprendre seul. Voilà, et là du coup c'est bon. Oh là là, je suis teubé.com, je te jure. J'ai tellement honte. Hello. Nom d'un globule, c'est Bou. Bon, elle était un peu relou cette mission, hein. Oh, yes. Un peu longue et pas très claire. I did it. Yeah, I did it. Oh, oh. 53 minutes. 53 minutes. Pas ouf. Merci Adesio pour le follow. Bon, je vais faire une deuxième pause comme ça fait 4 heures de live. Watcha watcha. C'est l'épisode... Non, GameCube c'est le 1, ça c'est l'épisode 3DS. Ah, j'ai une amélioration. Ectoblast amélioré. Charger la jauge plus longtemps, affaiblir les fantômes davantage. Ok. Découverte de Luigi's Mansion 2. Ouais, j'ai jamais joué à cet épisode. Et c'est très très cool. Hein. J'aime bien. Yabo yabo. Yabo yabo. Wacha wacha, yabo yabo, wako wako. Poussière étoile. Wako wako. Ok, donc début du cinquième niveau, je vais mettre le jeu en pause, je vais faire une petite pause moi-même. Petit verre d'eau, et on sera reparti pour une petite session de 2 heures. Enlever toutes les toiles d'araignée. Ah, voilà, ça y est, on va enfin pour enlever les toiles d'araignée. Ok, super. Allez, petite pause et je reviens tout de suite. Bon, c'est très cool, en tout cas j'aime quand même beaucoup le jeu, même si cette mission-là était un petit peu longue. C'est quand même très sympa. J'espère que vous appréciez le petit let's play. Allez, à tout de suite!